Un champion international gagnant de groupe 1 en France, jeune étalon royalement né et proposé à 1600 euros, voici Spanish Moon au Haras du Lion en 2014. Gagnant en débutant à 2 ans, puis revenu après une blessure avec 3 victoires de l'Istod à 4 ans, Spanish Moon a été l'un des meilleurs chevaux du monde en 2009. Conservé précieusement par Sir Michael Stout pour le compte de son éleveur Khalid Abdullah, Spanish Moon se révèle au plus haut niveau international dans la Dubai Shima Classic en mars, dont il conclut deuxième battu d'un nez seulement par Eastern Anthem, mais devant Purple Moon et Yumze. Deux mois plus tard, il est logiquement couronné dans le Grand Prix de Saint-Cloud, groupe 1 devant Alpine Rose et de nouveau Yumze. Avec Spanish Moon qui a l'avantage, qui résiste à Alpine Rose alors que Yumzen est troisième. Au deuxième semestre, Spanish Moon est tout aussi fort pour s'imposer dans le prix Foix groupe 2 à Longchamp, battant un rival de la trempe de Vision d'État. Il ponctue sa saison à Hong Kong dans le Veys groupe 1, où seule la française Daria Cana reviendra le chercher dans les dernières foulées. Fils d'El Prado, un saddle swells qui a fait florès outre-Atlantique, Spanish Moon est né d'une souche Abdullah parmi les plus vivantes. Parmi la cascade de ses apparentés, son cousin Flintshire a, par exemple, remporté le Grand Prix de Paris groupe 1 en 2013. Entrée étalon directement au Lion d'Angers en 2011, Spanish Moon a été remarqué en 2013 avec sa première production de 2 ans dans les concours AQPS ou avec ce yearling aux ventes en Angleterre, notamment grâce à un mâle vendu 17 000 euros, plus de 10 fois le prix de Sey. Les éleveurs l'ont encore beaucoup soutenu d'ailleurs avec 86 juments saillants en 2013. Lui qui transmet son modèle épais et sa musculature, Spanish Moon, gagnant de groupe 1 en France, champion international, fait la monte à 1600 euros au Haras du Lion en 2014.